Et what up les gens, c'est Despielo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Race Room Racing Experience. Alors la dernière fois on avait testé la première des GT4, c'était la Porsche Cayman GT4 tout simplement. Et bah écoutez, aujourd'hui on va tester donc la prochaine voiture, on va dire, de ce pack GT4, à savoir la Lotus. Alors qui on va prendre? Et bah s'il faut qu'il y ait un kamikaze, autant que ce soit nous, on va prendre Takuma Sato. On va aller sur le circuit d'Imola en Italie, enfin à Saint-Marin plus précisément, dans la ville-état de Saint-Marin. Dans le micro-état, je sais plus si c'est un micro-état ou une ville-état. Bref, le circuit d'Imola, on n'a pas l'occasion de rouler souvent dessus, donc je me dis que ça peut être l'occasion du coup de le faire. Je vais faire comme d'habitude 10 petites minutes d'essai libre pour voir un petit peu, prendre la température de la voiture. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai toujours pas testé cette voiture, donc hâte de la tester pour voir ce qu'elle vaut. Et puis on va voir si on peut faire une bonne course et puis prendre du plaisir. Et aussi comparer un petit peu avec la Cayman GT4. Allez, on se retrouve sur la grille de départ. Comme d'habitude, il y a le freinage et le contrôle de traction qui sont donc possibles de mettre en mode usine, entre guillemets, hein, puisque c'est autorisé dans le règlement officiel du GT4. Bref, la Lotus Evora donc GT4, on va voir ce qu'elle vaut. J'ai fait quelques petits tours pour voir un petit peu ce que ça donne. Elle a l'air d'avoir un petit peu plus de survirage peut-être que la Porsche. Encore une fois, je vous le redis, hein, j'ai pas fait de setup, donc à prendre avec des pincettes. Mais ouais, ça a l'air aussi assez fun à piloter, ça fait un son différent. Bref, vous allez voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Qui y a? Est-ce qu'il y en a que je connais? Je crois que j'en connais aucun, hein, il me semble. Comme je vous ai dit, hein, on est 34 peut-être. Ouais, on est 34. On est 34, on va démarrer dernier et puis on va voir si on peut remonter. Allez, c'est parti, circuit d'Imola, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné dessus. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas ce circuit. Et bah écoutez, c'est l'heure de voir ce que ça donne. Allez, ça va partir. Et c'est parti. Alors, le bruit est singulièrement différent de celui de la Porsche, donc ça c'est bien. Je préfère ce bruit-là à celui de la Porsche. Alors, on va laisser les IA faire du caca devant nous. Je les connais, hein. Ok, schmalz. Alors là aussi, elle freine souvent très tôt. Voilà, donc forcément, elle s'arrête sur la piste, hein, parce que après tout, pourquoi pas. Salut les frérots, faut pas me prendre pour un idiot non plus. Mais mec. Alors, c'est les IA générales, hein, sur Race Room, il y a plein d'autres jeux où c'est aussi le bordel. Sur Assetto Corsa, c'est aussi un petit peu comme ça, de temps en temps. Alors, je suis sur une IA adaptative, hein, pour ceux qui se demanderaient. J'ai pas mis un niveau d'IA. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Ça m'aurait évité ce genre de problème, peut-être. Ouf. Hop là, on va sortir large ici. Aqua Minerali. La réaccélération. Salut frérot, à plus. Elle se conduit un peu comme la Cayman, hein, finalement. Mais tu te décales au freinage, toi? Mais t'es sérieux? Il y a vraiment aucun respect sur ces IA là. Alors ouais, elle se conduit un petit peu comme la Porsche. Peut-être qu'il faut être un peu plus doux qu'avec la Porsche, parce que la Porsche, faut un peu plus la brusquer. Après, c'est mon opinion, hein, mais hop là. Et vous voyez, vous freinez un peu en travers ou avec un transfert de masse entamé. Le transfert de masse est là pour vous rappeler que les pneus vous donnent pas de grippe. Alors, combien on va prendre en vitesse de pointe? Parce que la ligne droite est assez grande depuis qu'ils ont refait le circuit... Vu que la F1 ne vient plus sur le circuit d'ailleurs. Ah ouais, la Porsche a carrément plus de puissance, j'ai l'impression. On va faire attention parce que tout à l'heure, l'IA m'a foutu un coup de frein en plein milieu de la ligne droite. Un break check des familles, bien comme on aime. Ah ouais, non mais les Porsche ont plus de puissance, hein, je pense. Ouais, effectivement. Mais je trouve que la Lotus, justement, est peut-être un peu plus simple à piloter. Après, faut faire attention de ne pas la lancer comme la Porsche. C'est un style de pilotage un peu différent. Mais elle paraît plus sain, plus saine à piloter, en fait. Je sais pas comment dire.
Donc ils vont vite ces petites IA là. Alors, attention là, il y a pas mal de boss sur le circuit d'Imola. Enfin en tout cas sur le circuit Made in Race Room. Circuit qui n'est pas laser scanné contrairement à Assetto Corsa ou à iRacing par exemple. Parce que ça coûte très très cher. Hop là. On est bien sorti là, on est bien sorti d'Aquamini Rally. Putain mais les IA qui se décalent au freinage, c'est un pur scandale. Tu me diras, hein, c'est sûrement le vrai comportement des GT4 dans la réalité, vu qu'il y a que des. Il y a beaucoup de pilotes amateurs aussi. Ou en tout cas des professionnels. Pas vraiment professionnels. Oh bah alors là les frérots, je suis là, hein, rien à foutre. Alors, la relance, KTM contre Lotus. Attention de ne pas se mettre dans l'herbe. Il n'y a pas de Porsche dans le tas, donc ça c'est pas mal. 3 minutes 40 restantes. Alors tu vas voir, il va me foutre un coup de frein le bâtard. Non. Oh là là. Mais ouais, mais frérot, t'es sérieux? Mais t'es sérieux, mec? Mais c'est un pur scandale. Mais casse-toi, toi! Mais avance au lieu de rien faire! Mais regarde ça! Oh, ce scandale! J'ai pas freiné assez fort, faut le reconnaître. Mais bon, j'ai des repères de freinage différents qui sont plus loin. En entraînement, je mets 2 secondes à l'IA, donc c'est. Comment t'as dit? On n'a pas les mêmes repères de freinage. Tu vois, rien. Voilà. Ah, je te le dépasse. Et pourtant, je freine pas super, super tard. Mais je te la passe. Enfin, je l'emmène à l'extérieur comme Schumacher et Montoya. MDR. Bon, le but du jeu, c'est de comprendre un petit peu cette voiture. Vraiment plus simple à conduire, j'ai l'impression, que la Porsche. Moins piégeuse, peut-être. Et encore, mais mec, mais pourquoi tu ralentis comme ça, putain? Et voilà, et moi je fais de la merde. Bon, de toute façon, il a freiné au 150. Ah bah voilà, je vais avoir un peu de champ libre pour pouvoir exprimer la vitesse de cette petite voiture de Lotus Evora. Alors, là c'est toujours très tricky hein, comme freinage, légèrement en appui. Voilà, ça c'est pas mal, le point de corde, on peut aller le chercher. Pas besoin de trop la brusquer, sinon l'arrière passe devant. Contrairement à la Porsche qui a tendance à avoir un peu de sous-virage. Alors, 1 minute 39 restante, on est P22. Avec le crash qu'on a eu, c'est pas mal. Rien n'est parfait, personne n'est parfait, hein, et sûrement pas mon pilotage d'ailleurs. Oh, attention, là ça sautille un peu. Et frein. Hop là, un petit peu large. On n'était pas le mieux placé pour entrer dans les premiers S. Mais là, là, on commence à prendre un peu la mesure de la voiture, c'est cool. Toujours très tricky hein, ce pif-paf. Très compliqué, un freinage un peu en appui. Il est vraiment pas facile hein, le circuit d'Imola. Un circuit à l'ancienne. Qui a connu beaucoup, 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 beaucoup de modifications depuis sa création. Avant, en fait, grosso modo, vous enlevez à peu près toutes les chicanes, hein, si vous voulez savoir. À part Aquamini Rally. Et encore, je suis pas sûr. Ok, tout en glisse, pas mal, pas mal. Pas mal, vous voyez, on peut quand même pas trop mal s'en sortir. Hein. Ça fait plaisir. Alors, on va rentrer dans le dernier tour après, je suppose. Oh, devant, ça fait une belle équerre pour Willy. Est-ce que je prends plus de plaisir au volant de cette voiture ou de la Porsche? Je sais pas. J'ai envie de vous dire que ça dépend du pilotage que vous recherchez, en fait.
Allez, on va essayer de s'incruster à l'inter. Ah, c'est damier direct. Ah, dommage. Je pensais qu'on allait faire un tour de plus. Et du coup, on va se faire battre sur la ligne par Willy. Ah, terribles images. Et ouais, dommage. Alors, la Lotus Evora, honnêtement, peut-être un petit peu plus sympa, je trouve, à conduire. Ça dépend encore une fois des circuits et du réglage que vous pouvez faire sur votre voiture. Vraiment, dans l'ensemble, assez sympa cette voiture à piloter. Moins piégeuse, je trouve, que la Porsche. Peut-être un peu moins compliqué comme ça, a priori. Encore une fois, faut faire du setup. Il y a un petit peu peut-être de barres anti-roulis à remettre sur la Porsche ou à enlever, je sais pas. Revoir la garde-sol, le carrossage et compagnie, tu vois. Mais dans l'ensemble, la Lotus est plus saine, on va dire, plus facile à piloter. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Mais la Porsche est vraiment très fun parce qu'elle glisse beaucoup et la Lotus glisse peut-être un peu moins. Donc bon, c'est avec les réglages de base, hein, faut pas oublier. Mais très sympa à piloter. Un comportement similaire à la Porsche, mais avec des petites différences qui font toute la richesse de cette voiture. Et esthétiquement, elle est plutôt jolie. Ça fait un gros jouet en fait. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et elle a l'air peut-être moins puissante que la Porsche. Et ça, je saurais pas vous dire. J'ai pas trouvé l'info. Donc à voir ce que ça donne. Voilà. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la dernière des GT4, à savoir la KTM. On verra. Je comprends pas. KTM, normalement, c'est un préparateur de moto, enfin un constructeur de moto, pas de voiture, même s'ils ont déjà fait des engins, on va dire, à 4 roues. Ça me titille un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Insta et sur YouTube pour parler F1. Puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.